Coucou chez vous, j'espère que vous vous portez bien. Je reviens avec une nouvelle vidéo là consacrée à des soins qui concernent nos mains et là plus précisément à la pose de vernis. Je partage avec vous des astuces pour faire tenir son vernis plus longtemps quand on met donc du vernis sur des ongles naturels et que ce n'est pas un vernis permanent ou semi-permanent. Donc vous verrez, c'est très simple. J'en profite pour me représenter. Je m'appelle Marthe, je suis maman de 7 enfants, j'ai 52 ans et mariée depuis une trentaine d'années. Let's go pour cette nouvelle vidéo. Alors, pour bien faire tenir donc son vernis et de manière naturelle, surtout quand on a des ongles, nos ongles naturels et qu'on a tendance à avoir les mains très souvent dans l'eau, à la cuisine, par rapport au travail et tout. Moi, je sais que j'ai commencé à mettre des gants il y a très peu d'années, là, il y a 2-3 ans, parce que mes mains deviennent de plus en plus sensibles. Alors, je pense que c'est lié à l'âge, hein, je veux dire, j'ai passé la cinquantaine, enfin, j'ai 52 ans, donc je pense que voilà, mes mains deviennent de plus en plus sensibles, c'est vraiment... elles vieillissent aussi, donc ça doit s'expliquer... par rapport à cela, je pense. Ce qui fait que le vernis ne tient pas très longtemps. Si vous le mettez comme ça, un, deux jours, il commence déjà à s'écailler. À moins donc d'utiliser des vernis semi-permanents ou permanents, de mettre des faux ongles. Ce que je vais d'ailleurs bientôt faire, je pense, j'ai ma belle-fille qui est prothésiste ongulaire. Et je vais essayer de faire une fringe avec des faux ongles. J'en avais fait une il y a lors de notre mariage religieux, donc 5 ans après notre mariage civil. Et donc ça date, c'était en 2001, pour vous dire. J'avais pas aimé, c'était épais, ça n'était pas naturel, donc j'avais enlevé tout de suite après. Et sinon, j'ai jamais plus refait. Mais là, je vais peut-être refaire pour voir un petit peu, parce qu'elle fait de très jolies choses. En attendant, là, ce sont mes ongles naturels. Alors parfois, je les ai plus longs, là, je les ai encore limés. Parce que bon, en général, en hiver, comme ça et tout, je lime, sans l'été, que j'aime bien les laisser un petit peu plus longs. Alors, pour que votre vernis tienne, donc, il faut préparer les ongles, tout simplement. Donc, il faut bien les nettoyer, enlever tous les résidus, etc. Vous pouvez vous passer la ligne comme ça sur l'ongle, donc sur les ongles. Vous passez mais sans frotter. Il faut surtout pas frotter pour pas abîmer l'ongle. Voilà. Vous hydratez bien, pardon, vos mains. Alors il y a plusieurs. Moi j'utilise beaucoup cette crème qui me sert pour plein de choses. Hein. Voilà la crème Nivea, la toute bête. Là, en ce moment, j'ai aussi ma crème de main que je mets régulièrement, une brochée, ou même de l'huile d'amande douce comme ça, que vous pouvez mettre aussi au niveau du coin des ongles. Ça va vous enlever toutes les peaux mortes, les cuticules, etc. Vous le faites voilà, vous-même. Une fois que vous avez fait ça, vous faites un mélange avec du vinaigre blanc. Donc c'est du vinaigre d'alcool, mais vous rajoutez quand même aussi un petit peu d'alcool comme ça. Voilà, donc vous faites un mélange avec ces deux produits, voilà, comme ça, et vous allez imbiber un coton, je vous montre, voilà, comme ça, que vous allez passer sur vos ongles, voilà, sur tous les ongles, comme ça, vous passez bien, voilà. Ça sert à rien de tremper vos doigts dans le produit, de rester les doigts trempés dans le produit, non. Ça sert absolument à rien. Faites comme ça, c'est largement suffisant. Un seul coton suffit. Hein. Voilà. Ça va bien nettoyer, dégraisser les ongles et bien les préparer justement pour la pose du vernis. Bon, voilà. N'hésitez pas à repasser une deuxième fois s'il faut. Voilà, comme ça. Hop. Voilà, je vous montre bien. Alors, vous pouvez le faire sur des ongles longs, hein. Je vous dis, moi, je les ai coupés, là, je les lime. Je coupe et après, je lime pour les garder courts. Et puis, dès que le printemps, l'été arrive, en général, je les garde plus longs. Mais là, je ne vais pas faire comme ça parce que je pense que d'ici une ou deux semaines, en tout cas, là, dans le courant du mois de janvier, je vais me faire une pause de faux ongles.
ce sera la première fois, enfin la deuxième fois de ma vie, et je vous montrerai de toute façon. Donc voilà, et on laisse bien sécher. Et après, ce qu'il faut faire, c'est que vous mettez une base, il faut toujours mettre une base, on met pas le vernis directement, ça abîme les ongles. Alors, il y a plusieurs types de bases, il y a la base, vraiment la base toute simple. Moi j'aime bien les produits je mets, mais après ça c'est vous qui voyez pour les vernis. Il y a cette base, quand les ongles sont abîmés, toujours de chez Je mets, elle est bleue. Alors moi j'alterne, c'est pas celle-ci que je vais mettre là aujourd'hui. Je vais mettre cette base, qui est donc un sérum pour les ongles un petit peu mous, fragilisés. Quand je les ai coupés comme ça, que je les lime, j'aime bien mettre cette base-là. Donc, avant de mettre le vernis, vous mettez toujours une base, peu importe laquelle, mais vous mettez une base. Et après, je mettrai ce vernis, je vous montrerai tout à l'heure. Voilà. Et quand vous mettez le vernis, vous mettez par une fine couche dans un premier temps. Vous attendez 15 bonnes minutes. Il faut vraiment que le vernis soit sec. Et vous remettez une deuxième couche. Si vous voulez en mettre une troisième, vous attendez encore 15 minutes. Le secret, c'est vraiment contre les couches de vernis que vous mettez, qu'elles soient sèches à chaque fois. Sinon, ça va craquer, c'est pas bon. Donc, il faut vraiment attendre. Ça prend du temps, c'est comme ça. Sauf quand on a des appareils, etc. Là, moi, je vous fais vraiment la manière la plus simple possible, la plus économique. Moi, ce que je fais, sans appareil, sans rien, de manière naturelle. Donc, je vous reviens avec mes ongles vernis. Et voilà, donc, ma pose de vernis est terminée. Donc là, j'ai mis 3 couches. Vous pouvez en mettre 2 ou 3, mais minimum 2, parce que la première, comme je vous l'ai dit, doit être très légère. Et entre chaque couche, attendez bien 15 minutes. Donc vraiment, quand vous voulez faire une pose de vernis et qu'elle puisse donc durer naturellement, 7 jours, comme c'est gentiment écrit sur ces petites bouteilles, il faut prendre le temps. Il faut prendre le temps de préparer vos ongles. Le secret, en réalité, c'est vraiment ces deux produits. Donc, vinaigre d'alcool avec un peu d'alcool pour pouvoir bien dégraisser vos ongles. C'est ce qui va permettre au vernis d'adhérer. Si vous souhaitez que ce soit plus brillant que ça, vous pouvez acheter dans la même gamme hein, ou une autre du top coat. Vous savez, ça permet au vernis de briller. Que vous mettez une fois que votre dernière pose est faite, vous attendez également 15 minutes, vous le mettez en plus. Alors ça, moi, j'en mets pas. J'en mets parfois pour les fêtes. Quand je mets du vernis pour les fêtes, enfin un certain type de vernis. Mais là, celui-là est vraiment bien brillant, il n'y a pas besoin. Et puis, si vous n'avez pas, vous pouvez tricher aussi avec une base. Vous réservez l'une de vos bases que vous remettez après par-dessus, ça fonctionne aussi bien. Voilà, j'espère que cette vidéo vous apportera, vous aura apporté. Moi, je n'ai rien inventé. C'est pas des astuces qui me sont tombées du ciel. C'est qu'il y a quelques années, j'étais abonnée à une, un site, Fourchette et Bikini. Et j'ai trouvé pas mal d'astuces. Je les ai essayées, etc. Et puis bon, celles qui me convenaient, en fait, j'adoptais. Et j'ai même eu à en partager, notamment sur Instagram, etc. Donc voilà comment j'ai fait. Je n'ai absolument rien inventé. Parfois j'y rajoute un petit grain de sel, etc. Mais là c'est vraiment une astuce que j'avais vue sur ce site-là, Fourchette et Bikini. N'hésitez pas à y aller. Il y a vraiment énormément d'astuces. Je vous ai montré l'huile d'amande douce tout à l'heure. Ce n'est pas à mettre sur les ongles, hein. C'est vraiment quand vous nettoyez vos ongles au départ, je le rappelle, si vous voulez enlever les petites peaux qu'il y a autour des ongles, ça aide voilà, à le faire parce que ça ramollit les choses et puis bon, ça permet aussi d'hydrater vos mains. Mais le but quand vous mettez votre vernis justement, c'est d'avoir les ongles bien dégraissés, donc il ne faut pas en mettre dessus, surtout pas, c'est sur les mains et au coin des ongles quand vous le nettoyez. Une fois que vous les avez bien nettoyés, à ce moment-là, vous utilisez le produit donc à base de vinaigre et d'alcool. Voilà, j'espère que j'ai été claire. Prenez vraiment soin de vos mains parce que je peux vous le dire, hein, moi qui
et l'âge que j'ai aujourd'hui, les mains vieillissent énormément. Elles vieillissent énormément, c'est un peu comme le cou, etc. Donc il faut en prendre soin. Pour les personnes qui me suivent depuis un petit moment maintenant, vous avez pu voir que parfois, lorsque je cuisine, je porte des gants. Ce qui n'est pas forcément très hygiénique. Voilà, il faut faire attention à ça parce que ça peut même être un facteur de prolifération de bactéries. Donc quand vous utilisez des gants, il faut que ce soit vraiment pour quelque chose de précis et vous les jetez. Moi, c'est ce que je fais en cuisine en fait. Quand j'ai par exemple des oignons, enfin, tout ce qui pique là à couper, eh bien, je suis obligée de mettre des gants aujourd'hui parce qu'en fait, mes mains me brûlent. Et je pense que c'est lié à l'âge, parce que ça a commencé il y a quoi, 2 ans, hein, 2-3 ans. Donc je fais, puis après j'enlève les gants. Quand je fais du piment, j'écrasais du piment à la pierre, etc. sans gants. Aujourd'hui, je suis incapable de le faire sans souffrir. Donc voilà, je porte des gants et je les enlève. Donc vraiment, soignez vos mains, prenez-en soin. Pareil, moi j'ai toujours eu l'habitude de faire la vaisselle sans gants. C'est il y a très peu maintenant que je mets des gants et encore je ne les mets pas tout le temps. J'utilise énormément de produits ménagers, etc. Donc c'est très très important d'hydrater, nettoyer ses mains, de bien les laver et de les hydrater. Sans compter que les gels qu'on utilise là par rapport à la Covid assèchent aussi les mains. Donc faites attention à ça. Pensez à hydrater, je vous ai montré tout à l'heure. Cette crème n'est vraiment pas chère. Vous la trouvez partout, donc vous pouvez l'avoir avec vous. Il y a le beurre de karité qui est pas mal, j'en ai dans ma chambre, là, je n'ai pas montré parce que j'alterne. Et puis bon, il y a toutes les petites crèmes de main comme ça. Ah, j'ai pris celle-ci parce que c'est mon fils qui me l'a offert à Noël. Il m'a offert toute une gamme de produits Rocher. Donc je la glisse dans mon sac à main et voilà, j'ai tout le temps avec moi. Quand je vais dans la cuisine, dès que je termine, je l'ai avec moi. Ouf, ça, et voilà. Et donc, ça permet quand même d'avoir des mains plutôt soignées. Donc voilà, j'espère que ce partage vous apportera. N'hésitez pas à mettre ce que vous en pensez en commentaire. Je vais continuer à faire cette vidéo de soins comme ça. Vous verrez, là, il y a déjà 2 autres vidéos. Elles seront un peu plus espacées que tout ce qui est lié à la cuisine et autres. Parce que je vais vraiment prendre le temps de partager des choses qui ont fonctionné avec moi. Voilà, bah écoutez, je vous dis à très très vite pour une prochaine vidéo. Vous savez que sur ma table de soeur TV, il y a plusieurs thèmes. Il y a cuisine, il y a tout ce qui est lié au foyer en tant que tel, à la famille, aux enfants, l'éducation, mariage, etc. Il y a tout ce qui est déco aussi, coup de cœur, et il y a même des partages chantés, où je partage une de mes passions, le chant. Il y a des partages de livres. Donc vraiment, vous êtes servis, cette chaîne est vraiment faite exactement comme le site que j'ai créé il y a plus d'une quinzaine d'années et qui était fait de plusieurs rubriques. Alors puisez ce qui vous apporte, n'hésitez pas et n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Voilà, je vous dis à très très bientôt, demeurez bénis et épanouis. Bisous chez vous.